Il fallait bien une intervention aux 20h pour tenter de faire passer la pilule. Hier soir, sur TF1, Bruno Le Maire annonce le montant exact de l'augmentation des tarifs de l'électricité. Alors, la facture d'électricité sur les tarifs heure pleine, heure creuse, va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. Alors, c'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire pour garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et puis pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte. Moins de 10% de hausse, comme le gouvernement l'avait promis. Mais pour les Français, c'est déjà trop. C'est bon, quoi. Il n'y a plus moyen. Hein. Et pourtant, moi, je fais attention, à part pas en vacances, on ne fait rien. Rien. On a beau faire attention à notre consommation, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'électricité, que ce soit un peu pour tout, on a l'impression que derrière les décisions, c'est quand même d'augmenter tout le temps. Donc c'est dommage, on a l'impression de ne pas être récompensé, entre guillemets, des efforts qu'on essaye de faire. Une hausse qui vient s'ajouter aux précédentes. 4% en février 2022, 15% en février 2023 et 10% encore en août dernier. Au total, depuis le début de la guerre en Ukraine, la facture a grimpé de plus de 43%. L'exécutif se défend, la hausse a été moins forte que chez nos voisins européens. À l'époque, Jean Castex avait dégainé un outil bien spécifique pour protéger les Français. Nous allons mettre, pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. C'est-à-dire, nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs. Parce que malheureusement, que nous disent les experts, c'est que ça va continuer. Un système indispensable pour éviter que les factures s'envolent, mais qui coûte à l'État une trentaine de milliards d'euros rien qu'en 2023. Aujourd'hui, Bercy veut éponger les dettes. Alors depuis plusieurs mois, les ministres préparent les esprits à la fin du quoi qu'il en coûte. Dès lors qu'on doit faire des économies, il faut notamment sortir des dispositifs spécifiques qu'on a mis en place pendant la crise de l'inflation. C'est notamment la politique des chèques exceptionnels. On va mettre fin à cette politique des chèques exceptionnels qu'on a pu mettre en place sur tel sujet, pour telle catégorie de Français. Ça veut dire qu'on va devoir sortir progressivement du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Fin des mesures exceptionnelles, à l'heure où l'inflation perdure, l'opposition s'insurge. Alors ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, les impôts vont baisser, les taxes vont baisser, ce sont des mensonges. La vérité, c'est qu'on prend plus, beaucoup plus aux Français tout de suite que ce qu'on leur donnera peut-être demain. C'est ça qui est scandaleux, en fait. C'est que cette augmentation, elle est le fruit unique d'une décision de l'État. On pourrait faire autrement. Elle va mettre en grande difficulté les ménages et aussi les entreprises, les petites entreprises et les artisans. Les partis de gauche aussi dénoncent la hausse des prix, mais comptent se servir de la colère pour rassembler les troupes à l'Assemblée. Je suis certain qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour demander le gel sur les factures d'électricité. Et je demande, et ça c'est clair et c'est concret pour les Français, je demande qu'au 1er février, il n'y ait pas de hausse de factures d'électricité. Le ministre de l'Économie a promis qu'il n'y aurait pas d'autre hausse des prix cette année pour l'électricité. La prochaine est attendue dans un an.